la force des bras. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Ça devrait plus être long. Je crois que je vois la fin. Admirez. Travail, Tifa. Ah. Je dois pouvoir désactiver la sécurité. Hein? C'est bien joué, ça. Oh. Mais j'ai encore rien fait. Bah, on s'en fiche, non? Dis-moi, tu peux chercher à quel étage se trouve le laboratoire? Voyons, donne-moi un peu de temps. J'ai trouvé. Laboratoire du professeur Ojo, étage 65. Alors, d'après ce que je vois, on peut monter jusqu'au 59e par l'ascenseur ou les escaliers. Mais pour aller au-delà, il faudra passer par la réception du hall panoramique, on dirait. Commençons par aller au 59e.
remonte. Fermeture des portes. Je me demande bien comment c'est en haut. La sécurité y est renforcée. Ce sera pas aussi simple de passer. Hein ? Dixième étage. Oh. Ouverture des portes. Vous là ! Merde. À toi de jouer. Allez, pas m'énerver ! Sois prête pour le prochain. Ouais, pas de problème. C'était chaud, là. Ils ont pas pu donner l'alerte, hein ? Ils en ont pas eu le temps, je pense. Cet ascenseur monte. Fermeture des portes. Je me demande si on va encore s'arrêter. Les Shinra, vous avez qu'à prendre les escaliers. Même si on est encore attaqué, en gérant ça rapidement, ça devrait le faire. Hein ? Ah ben, quand on parle du loup... 20e étage. Ouverture des portes. Oh ! On passe en force. Okay. Prends ça ! Et voilà, c'est plié. Allez, maintenant tu vas nous amener direct en haut. Décidément, c'est pas notre jour de chance. On peut aussi prendre les escaliers. Merci, mais ça, c'est non. 30e étage. Ouverture des portes. On a de la visite. Attention. J'avais oublié, mais il y a aussi des employés normaux ici. Elle a sûrement donné l'alerte. 40e étage. Allez, à qui le tour ? Ouverture des portes. Oui. Oui, aucun dégât ici. Et toi, maman, tu n'as rien ? Tant mieux, j'étais inquiet. Ah oui ? Oh là là, quelle histoire ! Cet ascenseur monte. Fermeture des portes. Non, à vrai dire, on ne sait rien pour l'instant. Mais il pourrait y avoir d'autres attaques d'avalanche à tout moment. Alors sois très prudente. Cet ascenseur monte. Oui, fermeture moi aussi. Des portes. En fin de compte, même à la Shinra, il y a des gens normaux avec une famille. Qui mènent une vie ordinaire, avec des rêves et des espoirs. On en était tous conscients, évidemment. Mais de le voir, ça me touche. Innocents ou non, ils sont fautifs s'ils se rendent complices de crimes. Il est grand temps que quelqu'un retire leurs œillères à ces types. Qu'ils voient ce qu'est l'énergie qu'ils vendent. Et surtout qu'ils prennent enfin conscience qu'elle consume la vie de notre planète. Parce que ce jour-là, le monde changera. T'es au courant, pas vrai ? Oui. Tifa,
Ce qui compte maintenant, c'est de sauver Aerys. Oui. Tu as raison. 59e étage. Ouverture des portes. Soixante-dix, 80, 90, 100, 110. Sursaturation de Mako détectée. Lançons le refroidissement avec la matière réfrigérante. Madame, c'est l'heure de votre réunion. Silence! Tu ne pouvais pas trouver pire moment pour m'adresser la parole. La concentration en Mako et la structure des Materia sont toutes les deux stables. La masse de la Materia nucléaire a augmenté! Donc, comme vous êtes superbe! Facteur irrégulier détecté! On s'en va. L'augmentation dépasse les valeurs de référence! Cristallisation globale dans tous les incubateurs! On perd le contrôle! Vite! Il faut arrêter ça! Occupez-vous de me nettoyer ça. Oui. Ah, le hall panoramique. Je vois qu'on se refuse rien à la Shinra. Allons-y. Vous êtes là pour la visite éducative? Les participants ont accès aux étages 60, 61, 62 et 63 à visiter dans l'ordre. Nous vous demandons de respecter cet ordre. À chaque étage se trouve une machine que vous devrez utiliser afin de mettre votre carte d'accès à jour. Ceci vous permettra alors d'accéder à l'étage suivant. Et maintenant, nous espérons que vous apprécierez votre voyage dans le monde de la Shinra. Mais qu'est-ce que c'est chiant tout ça ? Dites, vous trouvez pas que c'est bizarre ? Le plan fonctionne un peu trop bien. Je me disais aussi. Un piège ? Ah ! Qu'ils viennent, si c'est ça ! Ils vont pas être déçus. Cet ascenseur descend.
Fermeture des portes. Cet ascenseur monte. Fermeture des portes. Il y a vraiment besoin d'avoir autant de cartes d'accès. C'est le QG de la Shinra. C'est normal. Et voilà l'ancien soldat. Toujours à trouver une excuse à cette grande compagnie qu'est la Shinra, hein. C'est normal, c'est normal. Vous allez inspecter les réacteurs Mako ainsi que les piliers. Oui, c'est ça. Dans leur intégralité. Il pourrait y avoir des impacts sur les autres réacteurs. Si vous remarquez la moindre anomalie, informez-moi sur le champ. Excusez-moi de vous déranger. Pardon, je vous écoute. Voici le rapport de sinistre de la zone du secteur 7. Monsieur, vous devriez vous reposer un peu. Non. Je dois finir ça avant la réunion. Le compte-rendu des dégâts et l'ébauche du plan de reconstruction. Comment peut-on écraser tout un quartier? Quelle qu'en soit la justification. C'est de la pure folie. Monsieur le directeur, je me permets de vous rappeler qu'en réunion, vous devrez surveiller vos paroles. Oui, je le sais bien. La visite guidée du siège de la compagnie Shinra va commencer. Non, mais vous êtes sérieux, là? Ici, au musée mémorial, vous allez découvrir en trois sections une rétrospective sur la vie et l'œuvre de notre président, mais aussi les divers domaines d'activité développés par notre compagnie et des informations sur la cité et l'exploitation de l'énergie Mako. C'est bon, garde ta salive. Donne envie de vomir. Ce gars est vraiment un but de lui-même. Messieurs, dames, appréciez-vous ce voyage dans le monde de la Shinra? Nous espérons que vous avez appris beaucoup sur la Shinra et son président.
N'est-ce pas une chance incroyable de pouvoir voir tous ces objets lui appartenant? Dans la prochaine partie, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les activités de la Shinra. Nous allons vous exposer en détail chacun de nos départements. Vous allez probablement apprendre des choses que vous ne saviez pas encore sur la Shinra. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On les connaît bien, ceux-là. Ils en ont perdu des unités à cause de nous. Soyez les bienvenus au siège de la compagnie Shinra. Ah, je pense qu'aucun de vous n'a les capacités de comprendre un dixième des recherches de mon département. Du coup, ce n'est pas la peine que je vous explique en détail. Mais soyez assurés que la science avance à grands pas grâce à elle. En revanche, devoir enregistrer cette annonce m'a fait perdre du temps. Vous m'excuserez, mais je suis un homme occupé et je n'ai pas que ça à faire. Je retourne à mes recherches. Au revoir. Pardon ? Il faut que je le sente. Alors, voyons voir. Bienvenue à la Shinra. Je suis le directeur du département de l'exploration spatiale. Notre mission était d'utiliser les puissants systèmes de propulsion de nos missiles pour aller explorer l'espace et récupérer un maximum de ressources. Malheureusement, maintenant qu'on a la Mako, ce n'est plus nécessaire et nos projets sont tous en suspens. Je trouve que c'est quand même dommage. Veuillez nous excuser, l'exposition du département de la sécurité publique est en cours de maintenance. Bienvenue à la Shinra. Notre département du développement urbain est en charge de la maintenance de tout ce qui est nécessaire à la vie des habitants de Midgar. Les réacteurs Mako, les piliers et plateaux, les quartiers résidentiels et les routes, nous nous assurons que tout fonctionne bien. Notre plus gros projet actuel est la construction d'une autoroute sur les plateaux. Grâce à cette nouvelle infrastructure, nous espérons améliorer grandement la vie des habitants de la métropole de Midgar. Je suis sûr que vous avez tous hâte qu'elle soit terminée. Incroyable, non? La Shinra fait de son mieux pour développer ses activités. Travaillant toujours plus pour le bonheur et la sécurité des citoyens de Midgar. Notre but est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la tranquillité de tous nos concitoyens. Vous allez pouvoir en apprendre plus sur la Mako, les réacteurs, ainsi que sur Midgar.
Je suis sûre que vous avez tous hâte de tout connaître en détail. La maquette qui se trouve devant vous est une reproduction au 1/10 millième de la cité de Midgar. Comme vous pouvez le voir, il existe 8 réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville. Ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité. L'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol que nous exploitons pour le bien de la population. Nous commençons par l'extraire, puis nous la convertissons en électricité où nous l'utilisons comme combustible ultra-performant. Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population. Grâce à elle, la métropole de Midgar est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais. Et s'est hissée au rang de première capitale du monde moderne. Que des foutaises tout ça. On peut pas nier que l'énergie Mako améliore la vie des gens. Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences. Moi aussi je croyais à tous ces trucs avant. Franchement, ça me fout les boules quand j'y repense. Toutes nos félicitations. Vous êtes maintenant un expert Shinra. Vous pouvez vous rendre au 61e étage que nous utilisons pour développer de nouvelles technologies. Veuillez vous rendre au hall des médias visuels pour continuer la visite. À cet étage, le hall des médias visuels, la Shinra met en œuvre les dernières technologies pour créer un tout nouveau genre de cinéma à apprécier avec vos 5 sens. Nous espérons que l'expérience vous plaira. Il n'y a que dalle ici. Attention ! Sous le nom d'Anciens. Ce sont eux qui ont rendu notre monde habitable. Ils se servaient de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète. Cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours, c'est bien entendu la Mako. Et ce n'est pas tout. Les Anciens possédaient non seulement la Mako, mais ils possédaient également le savoir-faire pour l'exploiter. Certaines des matérias que nous pouvons trouver aujourd'hui sont des témoignages de la fantastique technologie de l'époque. Comme le dit le célèbre dicton, nous autres, de la planète, nous naissons, avec elle nous parlons, et sa voix nous écoutons. Et un jour, à la terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend, sur cette terre du destin don de la planète. Cependant, cette civilisation est de nos jours éteinte. Il y a 2000 ans, un astéroïde s'est écrasé sur la planète, causant la fin des Anciens. Une question demeure. Ce peuple a-t-il fini par trouver sa terre promise ? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Les siècles ont passé, et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'œuvre des Anciens, en conservant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Mako. Un climat très doux, une nature luxuriante, et surtout, une source de Mako inépuisable. Tel est le paradis qui, quelque part sur notre planète, attend patiemment notre venue. Nous, à la Shinra, considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver cette terre promise des Anciens.
Nous n'arrêterons pas avant que ce rêve, votre rêve, ne se réalise. Hein ? C'est fini ? C'est vraiment étrange. C'est bien la première fois de ma vie que je tombe à court de Saint-Doux. Du thé sans matière grasse, pour moi, ce n'est que de l'eau amère, aucun intérêt. Non, ça ne peut pas être... Putain, j'ai encore la tête qui tourne à cause de leurs conneries. Ils ont pas honte de nous montrer une vidéo pareille. Ça m'étonnerait pas que des enfants aient été traumatisés. C'était pas un simple film. Cette grosse météorite, c'était quoi ? Ben, c'était des effets spéciaux, non ? Vous êtes maintenant un maître Shinra. Vous pouvez désormais vous servir de vos connaissances pour vanter les qualités de la Shinra autour de vous. Vous pouvez maintenant vous rendre à l'étage suivant qui regroupe les savoirs les plus importants amassés par la Shinra. Au 62e étage se trouve la bibliothèque. Eh ben... Je vous attendais avec impatience, cher membre d'Avalanche. Je me présente, Art, pour vous servir. Quoi ? Monsieur le maire m'a demandé de venir à votre rencontre. Le maire de la ville ? Tu veux dire Domino, le toutou de la Shinra ? Lui-même, le maire de la ville de Midgar, fleuron mondial du génie Mako, j'ai nommé Monsieur Domino. Nous avons détecté une erreur système inhabituelle dans le hall des médias visuels. Aussi, nous avons pensé que vous aviez peut-être rencontré quelques difficultés. Bon, et qu'est-ce que le maire nous veut, au juste ? Eh bien, vous allez le lui demander vous-même. On doit le suivre, alors. Où est-ce qu'on est ? Hein ? Le maire est vraiment quelque part dans cette bibliothèque ? Oh.
te jure, mec. Si c'est un piège, tu vas le regretter. Attends, on est où, là? Oh, vous voilà enfin! C'est pas trop tôt! Ah. Je suis le maire de notre magnifique Midgar, la cité Mako. Domino, enchanté. Vous n'avez pas été des plus discrets. Quoi? À votre avis, grâce à qui êtes-vous arrivé jusqu'ici? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est pas la peine de me remercier. Après tout, à chaque fois qu'un garde vous a vu, et qu'une caméra vous a filmé, qu'un employé vous a dénoncé, j'ai intercepté l'alerte, je vous en prie. Alors? Je vois, vous ne connaissez donc pas notre faction? On travaille pour Avalanche, ça vous dit toujours rien? Non. Ce n'est pourtant pas si étonnant. Regardez autour de vous. Maire de Midgar, ça pose son homme, mais pour la Shinra, je ne suis qu'un vieux schnock placardisé au propre comme au figuré. Si vous vous traitez ainsi, ne seriez-vous pas en colère? Ma soif de vengeance n'est-elle pas naturelle? Ah, alors l'affaire est pliée. S'il vous plaît, donnez-nous accès au laboratoire. Les laboratoires? Pourquoi? Vous ne visez pas le président de la Shinra? On est venu sauver une de nos camarades. Mais bien sûr, on pourrait aussi rosser le président, tant qu'on est là. Non. Tant que vous mettez des bâtons dans les roues de la Shinra, je veux bien vous aider. On y va? Je peux vous mener jusqu'au 64e. Arrêtez, je suis sûr que vous pouvez nous faire aller plus haut. C'est tout ce que je peux faire. J'en ai bien peur. Mais vous êtes le maire. Je viens de vous expliquer. Je ne suis plus guère qu'un prêtre, non. Et on me traite comme un grouillot de bas étage. On ne m'invite pas aux réunions importantes. Du matin au soir, je ne fais que classer leur paperasse. Quand je me coupe sur une feuille de papier, c'est mon cœur qui saigne. Je suis le complice de ma propre humiliation. Je les aurai. Je les aurai. Bon, d'accord. On leur en veut aussi et on va les faire payer. Alors, du calme. Allez, on respire, on respire. Faites voir votre carte d'accès. Voilà. Avec ça, vous pouvez accéder aux installations récréatives du 63e. Et après, on fait comment? Vous cherchez l'agent d'Avalanche qui s'y trouve. Il vous donnera une carte d'accès pour le 64e étage. Le mot de passe est... Domino, c'est le meilleur! Midgar a trouvé son sauveur! Des mecs comme lui, il n'y en a pas ailleurs! Dites juste Domino et celui qui répond « C'est le meilleur !» Ce sera lui, notre collaborateur. Vous avez compris? Ils auraient quand même pu nous le dire, ces gros abrutis du quartier général.
Bon, si tu m'en disais un peu plus sur la Terre Promise. Mets-toi donc un peu à ma place, tu ne vois pas la pression énorme qu'on m'impose vis-à-vis de ça? Si je satisfais leurs demandes cupides, ils me laisseront tranquille. Et je pourrai enfin me consacrer à mes précieuses recherches. Iris, j'ai besoin de toi. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Je regrette tellement tout ce qui s'est passé avec elle. Les choses auraient pu se terminer bien différemment si seulement elle était venue me parler au lieu de s'enfuir. Quel gâchis, vraiment. Perdre de cette façon la dernière ancienne de sang pur. J'y pense. Tu ne voudrais pas la revoir, d'ailleurs. Mais quand je dis revoir, je veux parler de la voir à travers un microscope. Nous n'allions pas laisser pourrir la dépouille d'un spécimen aussi précieux, comme tu peux t'en douter. Nous l'avons récupéré, soigneusement étudié, sous tous les angles. Ses cheveux, sa peau, ses organes, le moindre fragment de chacun des os de son corps. Les anciens sont vraiment des êtres exceptionnels. Tu peux être fier des tiens. Ifalna était une véritable beauté, jusque dans ses cellules. Ce regard fier, ta mère avait le même. J'y pense, ça va bientôt être l'heure de ma réunion. Ne bouge pas surtout, je serai vite revenu. Nous voici au 63e étage. Bienvenue à l'ère de rafraîchissement des employés Shinra. Malgré le fait qu'il soit tard, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont restés pour s'occuper du secteur 7. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Restons vigilants. On doit trouver ce collaborateur. Ça marche. Profitons-en pour observer un peu comment les employés d'ici font leur travail. Ça me rassure. On passera plus facilement inaperçu. On reçoit trop de demandes de renseignements pour y faire face. Dirige-les vers l'assistant automatique. Cherchons notre agent. Il n'y a pas l'air d'avoir de garde. On peut desserrer les fesses. Simulateur. Il permet de faire des combats dans un espace virtuel. Et on peut vraiment devenir fort en faisant ça? Vous voyez pas que je suis en train de faire une pause? Qu'est-ce que vous me voulez, au juste? Domino. C'est le meilleur. On m'a prévenu de votre visite. Vous voulez aller en haut, pas vrai?
Exactement. Avant d'obtenir ma carte d'accès, vous allez me prouver votre capacité au combat. Hein? Si jamais vous vous faites attraper, nous aussi, nous paierons le fait de vous avoir aidé. C'est évident, non? Vous allez donc utiliser ce simulateur. Je vous préviens, ce n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Si vous réussissez, je vous donnerai ma carte d'accès.